Bienvenue sur la chaîne du Mouais. Encore mort, personne qui peut m'éradiquer. Fort, pour pas perdre, il faut pratiquer. Sors, je me vide la tête là où les constituent. Faut que je m'exerce, un stylo, une prod qui tue. Salut à tous, alors je suis vraiment très content de faire cette vidéo ce soir. Parce qu'aujourd'hui je suis avec Mounir. C'est mon frère de ring, Mounir. C'est le cofondateur du Caspip Gym. Ça fait 15 ans que je bosse avec lui. C'est peut-être la personne à qui j'ai plus tenu les pao de toute ma vie. C'est vraiment mon frère de ring. Et en fait aujourd'hui il va faire la vidéo avec moi. Alors le thème de la vidéo c'est le suivant. Il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont demandé en fait quel était mon niveau. Qu'est-ce que c'était mon niveau en boxe thaï. Et en fait au début je trouvais que c'était pas très pertinent comme question de me demander mon niveau. Parce que après tout là moi ça s'appelle la chaîne du Mouais, ça s'appelle pas la chaîne d'Antoine. Et donc mon niveau en fait c'était assez secondaire quoi. J'étais là pour parler de technique et de gestuelle et pas forcément pour parler de moi et de mon niveau et de mes combats. On m'a aussi beaucoup demandé de voir mes combats etc. Et puis en fait en parlant avec vous, en parlant un peu avec du monde, j'ai un peu évolué dans ma réflexion. Pour croire quelqu'un qu'on écoute sur internet comme ça, je pense qu'on a besoin de lui faire un peu confiance quand même. Et donc la question elle est assez légitime en fait. Avant d'écouter quelqu'un qu'on connaît pas et de regarder des vidéos sur internet, on se dit ouais bah peut-être que je vais quand même lui demander un peu ce qu'il a fait ce monsieur dans la vie. Donc moi ce que je vous disais dans une de mes premières vidéos, ça va faire 18 ans que je fais de la boxe. Ça fait un peu plus de 8 ans maintenant que je suis entraîneur. Et ensuite donc beaucoup de gens voulaient me voir tourner pour voir un peu mon niveau. Et du coup ce que j'ai choisi de faire, c'est toujours un peu délicat comme exercice. Enfin je sais pas, c'était toujours un peu délicat de se mettre en scène comme ça. Donc ce que j'ai fait là, c'est que j'ai pris Mounir. Donc Mounir c'est ça. Voilà, donc il connaît ma boxe comme personne la connaît, je connais la sienne aussi pas mal. Donc il me casse la gueule Mounir clairement et en fait du coup bah, j'ai choisi de vous montrer ça. Donc voilà, donc on va filmer un peu un round ou deux avec Mounir et après si j'ai le courage de les retrouver je vous mettrai peut-être un extrait ou deux de mes combats. Comme ça voilà ça sera complètement transparent sur la qualité de ma boxe, de mon niveau. J'espère que ça vous ira et puis bah, écoutez à très bientôt pour une prochaine vidéo.
technique spéciale, celle-là. Force de combat activée, mode furtif du rap pisté. Après le salut, y'a pas de pitié, là j'y vais. Hajime, tu commences à pâlir, trottoir Paris en guise de tatami. Des terres comme tous les gars de la ville, appelle tout le monde si t'as de la mif. Dans ton cerveau on s'invite, loin des sentiers qu'on t'indique. Par souci de discrétion, j'ai troqué le judo qui contre un jean. Kimono des temps modernes, un flow hors pair en or massif. Les traîtres sont la cible, j'ai vu les flèches et les coups de Doc Martins. Fin du combat, ma pierre ton balle, non. Même si tu me bombardes, j'étais sur la colline d'en face. Bref, sur la butte Montmartre, système de taré, trop avarié, pourquoi t'épargner? Les tibias sur des poteaux, pas sur des palmiers. Malgré un mal de crâne, un manque de tact, un pack de frappe à base de rap, prends ça de balle, ne tarde pas, j'attaque de face. Pendant que tu tapes dans le vide, comme un boxeur sans allonge, tu passes les stylos noirs, la ceinture ça sert à tenir le pantalon. Stylo plumé ça, bien des espions, on va quadriller ça. Pas moyen qu'on me débrouille dans la débrouille, j'ai le quatrième dame. Les flics qui travaillent quand la lune veille, ils croisent beaucoup de schlacks. Ça s'ébruitera, j'ai couvert mes bruits de pas par le son d'un boom. Chaque fait ce vide, je tiens pas debout. Technique du gars chelou, on me révine cette Nero sur la ouate, la menace comme garde-fou. Pour le futur, ce sera ni le Pura ni Adego, mi Ateco. J'ai le feu qui frappe les côtes comme Emilianenko. Face à la matraque, DHI Parayushimata, j'ai fini mes katas. Maintenant je t'égrac quand les soucis m'attrapent. Les élus se battent entre eux, paroles en l'air, nous on respecte la nôtre. Mais la photo de Zarco a pris la place de Jigoro Kano. Je me bats contre la foule, on m'a dit petit t'as de la foudre. Tu l'as foncé, c'est abattu sur moi, t'as la foudre. Même si t'es pas net, j'fais de la magie, même si t'es balèze. Appelle-moi Miyagi, j'écrase les mouches avec des baguettes. Tatami en béton, inspecteur en guise d'arbitre. Mon sang asiatique est toujours froid dans la bataille. J'fais confiance à ma plume quand les armes remplissent la ville. Pour guérir mes plaies, OCP en cataplasme. Tatami en béton, inspecteur en guise d'arbitre. Mon sang asiatique est toujours froid dans la bataille. J'fais confiance à ma plume quand les armes remplissent la ville. Pour guérir mes plaies, OCP en cataplasme.